Bonjour et bienvenue sur Netarmix Tutoriel. Vous pouvez voir que j'ai le mode bureau intégré, hein. Donc pour avoir ce mode, je vous mettrai le lien directement pour accéder directement à la vidéo, comment intégrer tout ça, hein. Si vous voulez le mode en plein écran, donc vous mettez en plein écran et on va voir notre Black Ubuntu en plein écran. Là toujours sur mon Mac, hein. Vous pouvez voir qu'on est en plein écran sans souci. Alors dans cette vidéo, nous allons voir une première chose. Ici, pour passer, parce que là on voit bien qu'on a l'utilisateur Netarmix. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de passer en mode route. Donc pour passer en mode route sur Black Ubuntu, excusez-moi, c'est pas comme Backtrack. Là, il faut faire un sudo que sur Backtrack, on faisait juste un SU. Black Ubuntu marche différemment. Donc là, il faut qu'on fasse un sudo SU. Et une fois qu'on a fait notre sudo SU, il nous demande password for Netarmix. On écrit le password qu'on a rentré pour notre distribution de base. Et de là, on voit bien qu'on est connecté en mode route directement. Donc là, on voit bien qu'on est dans le répertoire home donc de Netarmix. Hein. On peut faire un ls. On voit tous les templates, les documents et ainsi de suite. Si on fait un CD de points, on arrive dans le répertoire Home toujours. On voit bien utilisateur Netarmix, donc on voit bien qu'il y a un seul utilisateur. Donc là, je reviens en base, on voit qu'il n'y a rien. Donc là, on est au mode 0. Donc si je fais un CD slash var slash W, on rentre à l'intérieur de répertoire W. On peut voir qu'on a un index.html. Directement, hein, on a notre index. Donc on pourrait avoir accès à notre index. Donc pour avoir accès à notre index, on rentre à l'intérieur et de là on prend notre navigateur Firefox. Donc hop, language-break, ouais, et install no, yes. Donc on va réduire un petit peu l'ensemble de la chose. Je vais mettre ça sur deux écrans, ça sera plus pratique pour faire tout ça. Donc ici, hop. On peut voir qu'il n'y a rien. Si on tape index.html, donc il nous dit enable to connect. Alors, pourquoi on a un enable to connect? Donc nous, ce qu'on voudrait avoir, c'est bien cette page ici. Donc on est bien au bon endroit. Ce qu'il faut, c'est aller ici. On va dans Service. Et de là, ce qu'il faut, c'est Start Apache. Donc il nous dit Netarmix. Donne-moi ton password. Donc voilà, il faut écrire son password. Et de là. Pareil, on fait pareil sur MySQL. Donc, on fait des starting. MySQL is started. Voilà, donc tout le monde est started. Donc là, on voit bien que serveur, it's work, it's run. Si on avait voulu, on fait un anneau index.html. On peut voir à l'intérieur, it's work. C'est nickel. On écrit netarmix. On fait un contrôle X pour quitter. Donc, contrôle X, exit. On tape yes. Donc, touche Y. Et on tape entrée. Si on fait un reload directement. Donc pour faire un reload en touche rapide, on fait CTRL R, permet de nous faire un refresh de notre page web.